des ombres en fait. J'avais genre 30 ou 40 secondes de retard à la fin du plateau, je crois. J'ai raté le BTB du château. Non, j'avais moins que ça de retard. C'était assez proche en fait. Mais après, j'ai eu 40 secondes de retard parce que j'ai raté le BTB. Ouais. Moyen de faire un arc-en-ciel sur le château parce que là j'ai perdu du temps bêtement, pourtant j'ai fait un arc-en-ciel. Allez, on se concentre. Dirige-toi vers le lieu que t'indique la carte de la tablette Sheikah. Allez!
J'allais pas mettre mon bouclier. Je me suis fait avoir par le lag. Oui, 1:31. Il va falloir tout bien réussir maintenant. Thank you.
qui se passe. Je vais pouvoir rattraper pas mal de temps quand même. C'est bon, j'ai l'arc. Oups. Fait. Nice, je suis en avance. Putain, au début je me demandais pourquoi je faisais pas un reset. Finalement, je suis en avance. Ah, presque. Il a failli m'envoyer le piston là. Allez, 35 secondes d'avance. Je vais perdre un petit peu de temps avec le scarabée, mais...
toujours faire un plateau assez sympa. Ça passe bien, plutôt bien. Un plateau intéressant. 1 minute 42 de retard au Cryonis, c'est finalement un plateau qui finit en moins de 18 minutes. Oh putain! Oh là là, les gars, on a un run. Je vais commencer à stresser là. Enfin, il faut encore les bananes quand même. Pas mal de flèches, c'est cool ça. C'est sûr, si sur une PB, c'est n'importe quoi. Je me concentre. Ok, deux bananes. Passe du premier coup depuis la fin du Cryonis. Tout est presque parfait depuis la fin du Cryonis. Allez, viens!
Merci. Je pense à pas prendre champi-lame. Parce qu'il n'y a pas besoin, c'est une perte de temps. Vu que j'ai eu deux bananes dans la caisse du début. On dirait que j'ai oublié une flèche, mais c'est pas grave. Allez, on prie pour Elise Alphos. J'entends pas. Okay. Fais le coup du bouton surprendre manquant. J'ai cru que je l'avais pas surpris finalement. J'ai perdu un peu de temps sur ça. Faut pas que je prenne le champi-lame donc. Je passe direct. Rock, l'arc, exploser la bombe. Nice. Un peu... Non, si c'est bon, un peu trop à droite, mais ça va encore. C'est très bien en fait. Putain, une minute d'avance presque. Est-ce que je vais passer le Windblade Skip? Ah, ça commence bien. C'est très bien parti là. Ouais, c'est bon. Allez, on se concentre. On fait comme dans l'entraînement. Comme l'autre jour où j'ai réussi 4 fois les ombres et Ganon sans mourir, la même soirée. Alors je cours vers le balcon, j'équipe le boomerang. C'est loin d'être parfait, mais ça va. Je
faut que j'équipe le boomerang, mais il est pas au bon endroit, donc il est deux cases à droite au lieu d'être tout au bout à droite. Je vais aussi poser la bombe. Et je sens que je commence à penser au bébé là, au lieu de. J'ai beaucoup beaucoup de mal à me concentrer. Hein. Est-ce qu'il y a la flèche déjà? Je la vois pas. C'est pas mal, j'ai presque pas perdu de temps dans les ombres, même si j'ai fait des erreurs. Ça va, j'ai survécu à ça déjà. Alors safe, je vais prendre le bouclier. Changement d'arc. Je suis trop près. S. Bon, maintenant il faut un peu de chance. Non! Pourquoi il va contre le mur? Une arme, ça sera mieux. Bon, j'ai perdu du temps. 19 secondes.
perdu beaucoup de temps. Après, j'ai pas eu trop de chance qu'il aille contre le mur. Et je fais une erreur à la fin du stunlock. Cette aura le protège de toute attaque. Et la phase 1, sûrement j'aurais pu mieux faire. Il te faudra viser les points lumineux. Je crois en ta victoire, Link. Dépêche ta flèche dans la lumière. Je peux gagner quelques secondes sur ce segment. 3-4 secondes. Ça passe. Tu l'as blessé. Continue comme ça. Parfait. Tu y es presque. Encore un peu. Link, regarde sur sa tête. On est sort maintenant, Link. Finis. Yes. Ah, ça fait bizarre. C'est pas possible que ce run ait fait un PV, j'y crois pas. Regardez le début. J'avais failli faire un reset. Incroyable.